Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube, sur notre site Internet, ainsi que sur notre page Facebook, bonlocataire.com, toujours B-O-N-S, locataire avec un S.com. Alors, aujourd'hui, on est sur la rue Pierre-Bernard, donc on est vraiment pas loin de l'intersection, comme vous pouvez voir ici à ma droite. Donc, vous avez la rue Hochelaga-Maisonneuve. Donc, on est dans le secteur Hochelaga-Maisonneuve, Tétroville. Donc, on est quand même dans un secteur que vous pouvez voir quand même assez résidentiel. Vous avez des petits duplex, des petites maisons unifamiliales juste en face. Donc, on est en haut d'un duplex, d'un triplex plutôt. La propriétaire habite en bas, donc c'est une personne, que je présume qu'elle est retraitée, une personne de certain âge quand même assez très très bien. Donc, vous allez avoir une excellente propriétaire. Donc, c'est un très très grand 4,5 au deuxième étage, dernier étage, puis vous allez avoir de très grands balcons. Donc, c'est un logement qui est en très bon état, donc il est très très bien entretenu. Alors, on va commencer cette visite 360 degrés. Donc, comme vous voyez ici, actuellement, c'est un grand salon. Donc, on peut dire que c'est un salon double. Donc, vous allez avoir ici des grandes fenêtres. Bon, le logement, il donne face à l'ouest, ce qui veut dire que toute l'après-midi, vous allez avoir du soleil qui va entrer dans cette pièce-ci. Donc, on parle du salon. Et vous allez avoir aussi la deuxième chambre à coucher. Donc, je vais vous dire, il est en très bon état, c'est propre. C'est impeccable. Bon, il y a un petit ménage qui reste à faire vu que les locataires sont partis. Donc, la propriétaire, elle est très flexible aussi pour vous accommoder s'il y a besoin de faire une peinture ou quoi que ce soit. Mais je vais vous dire, le logement, je suis actuellement ici. Et puis, je constate qu'il est quand même en très, très bon état. Donc, je suis pas inquiète par rapport à ça. Donc, voilà. Donc, on continue cette visite. Donc, vous avez ici un très grand salon. C'est un salon double. Si vous avez des grands meubles, moi, je suis vraiment pas inquiet. Ça pourra entrer des meubles en L. Vous pouvez faire un petit coin bureau ici. Votre télévision, vos divans, etc. Donc, tout ça est possible. Puis, en plus, vous avez ici un garde-robe pour ce salon-ci. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, voilà. Donc, vous allez avoir ici immédiatement des portes françaises. Hein. Donc, voilà, ça, c'est la porte d'entrée principale. Donc, vous avez vos escaliers juste ici. Vous montez, vous ouvrez cette porte. Et puis, immédiatement, vous avez un corridor juste en face. Vous allez avoir le salon à ma gauche et à ma droite, juste ici, vous allez avoir la première chambre à coucher. Bon, cette chambre-ci, elle est faite beaucoup plus carrée. Donc, non, excusez-moi, pas carrée, rectangulaire plutôt. Donc, je vous dirais, si je calcule juste avec mes pieds, hein, donc on, à peu près, hein, donc c'est vraiment, c'est des mesures irrégulières. Hein, donc, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, mais calculer à peu près 7 pieds et demi de longueur, de largeur plutôt, et de longueur, ben, on va faire les pieds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mettons 13 pieds de longueur, et vous allez avoir 7 pieds et demi de largeur, donc ce qui est quand même assez grand, c'est fait de façon rectangulaire, vous allez avoir en plus deux garde-robes, donc vous en avez un ici qui est quand même assez grand, et vous allez avoir le deuxième garde-robe justement, juste ici. Donc, voilà. Donc, je vous dirais, c'est quand même assez spacieux. Vous avez ici immédiatement le corridor, votre détecteur de fumée juste en haut que je vois. Vous allez avoir ici votre grande salle de bain. Donc, c'est une grande salle de bain. Comme je vous dis, ben ici, il manque juste un petit ménage à faire, et puis le logement est impeccable. Ou si vous avez besoin que la propriétaire fournisse ou qu'elle peinture le logement, tout ça sera possible. Donc, on pourra tout simplement faire la demande à la propriétaire, puis on va voir qu'est-ce que ça pourra donner. Alors, vous avez ici votre baignoire. Donc, c'est une baignoire, vous avez la douche. Bon, c'est quand même en bon état. Je vous dirais, je vois rien d'anormal. Vous avez ici des tiroirs pour le rangement lorsque vous faites... Bon, juste ici, vous allez avoir votre entrée laveuse et sécheuse, donc vous avez du rangement pour votre laveuse sécheuse. Vous avez ici encore une fois des tiroirs juste en bas pour le lavabo. La pression a l'air très bonne. Je vais juste prendre ici, voir ici la pression, je ne l'ai pas utilisée. Voilà. Je pense que la pression est très bonne ici. On va essayer d'ouvrir le robinet en haut. La douche. La petite chose, on les a ici. Et voilà, on fait un test.
Oui, oui, écoutez, la douche est quand même assez bonne. Voilà, sinon la pression, je vois qu'elle est quand même très bien. Alors voilà, vous avez une ventilation aussi, qu'elle fonctionne aussi, j'essaie de voir. Ah ben oui, on entend, elle est partie, la ventilation. Donc vous avez la ventilation, vous avez des prises ici pour le rasoir. Vous allez avoir des thermostats électroniques, ce qui est quand même très bien. Je vais vous montrer immédiatement, je vous dirais, la plus grande chambre. Donc c'est celle-ci. Celle-ci, ben, est quand même est faite plus carrée, et quand même de façon rectangulaire, mais plus carrée que l'autre. L'autre, elle était plus étroite. Donc celle-ci est beaucoup plus large. Alors si je vous calcule un nombre de pieds, rapidement comme ça, donc je vous dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pieds. Donc, voyez-vous, l'autre, on en avait 7 pieds et demi, donc celle-ci est plus large. 9 pieds par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Par 11 pieds à peu près. Donc, ça vous donne déjà une bonne idée du mobilier que vous allez avoir. Mais normalement, si vous avez un grand lit king ici, là, je ne suis pas inquiet pour vous, ça va entrer, soyez pas inquiet. Donc, si vous avez un lit king, ça va entrer, vous pourriez mettre des commodes dans les coins, etc. Vous avez des prises électriques en plus, exprès pour ça. Vous allez avoir aussi quand même un grand garde-robe, le voici. Et puis, ce que j'aime beaucoup ici de ce grand 4,5, donc c'est, je vais vous dire, c'est très très grand, c'est très spacieux, c'est la fameuse cuisine. Donc, vous avez ici cette cuisine, des nouvelles armoires, des nouveaux comptoirs, des beaux planchers. Vous allez avoir ici un espace pour mettre une grande table à manger. Si vous avez une table à manger de 6 places, inquiétez-vous pas, ça va entrer facilement. Alors, qu'est-ce que les locataires y font normalement? Sur ce mur-ci, parce que je suis en train de toucher avec ma main droite, vous pourrez mettre votre frigo. Alors, pour le frigo, vous pouvez acheter un frigo gigantesque, soyez sans crainte, ça va entrer facilement. Vous allez avoir ici des petites armoires, hein, donc si vous voulez vous faire un petit garde-manger, voilà, je vous ouvre tout ça ici. Encore une fois, le bar. Beaucoup de comptoirs, les comptoirs sont en très bon état, c'est propre, c'est bien. Vous allez avoir ici d'autres armoires. Voilà, je prends le temps de tout vous ouvrir. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ici, juste en bas du robinet, ben, vous allez avoir du lavabo plutôt. Vous allez avoir ici la plomberie. Plomberie qui me semble quand même assez récente, assez nouvelle. Donc, je vais prendre le temps de me pencher aussi. Et puis, en plus, ce que j'ai pu comprendre de la propriétaire, si vous voulez installer un lave-vaisselle portatif, hein, ça pourra, vous avez toutes les connexions. Donc, juste tout simplement les brancher. Vous avez le système d'eau, vous avez le système de renvoi aussi pour l'eau du lave-vaisselle. Donc, si vous avez un lave-vaisselle portatif, vous pourrez vous en installer un directement ici. Vous avez encore une fois des étagères, du rangement, du comptoir, des prises électriques, la ventilation, la fan juste ici. Elle est fonctionnelle, voilà. Et puis, vous avez encore une fois ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous avons? Voilà, d'autres espaces de rangement. Ici. Bon, le poêle, malheureusement, c'est pas inclus dans le prix du loyer. Je pense que c'est à l'ancien locataire qui l'a laissé. On ne sait pas ce qu'il va faire avec. Et puis, vous avez ici quand même votre balcon. Donc, vous avez ici. Bon, il y a certains locataires qui mettent le frigo ici, dans ce coin, ou ils vont le mettre tout simplement où ce que je vous ai mentionné tantôt. Sinon, ben, écoutez, vous allez avoir ici de l'espace quand même assez spacieux. C'est très grand comme cuisine, à air ouvert. Alors, je vais vous montrer ici le balcon actuellement. Vous allez avoir une corde à linge. Donc, voilà, je vous le montre. Alors, vous avez ici, vous avez les escaliers pour aller en bas. La propriétaire habite en bas, comme je vous ai dit tantôt. Puis, vous avez ici le grand balcon que je pourrais installer un barbecue où vous avez votre corde à linge aussi. Donc, voilà, donc c'est un coin quand même assez très résidentiel, très familial, très tranquille. Donc, je vous dirais que si ça vous intéresse, comme d'habitude, n'hésitez pas, contactez-nous, 514-622-3314. Faites une demande via notre site Internet, comme d'habitude. Hein. Donc, inscrivez-vous, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ça c'est très important. Je sais qu'il y a plusieurs locataires qui nous disent, qui nous appellent un petit peu en retard. Ils nous disent, je viens de voir ta vidéo, et puis pouf, les logements sont déjà loués. Donc, c'est très important de vous abonner à cette chaîne YouTube, activer toujours la petite clochette et de cette façon, vous allez être les premiers, la première à nous voir, à voir les beaux appartements et saisir les bonnes opportunités aussi.
Donc, si vous êtes aussi un locataire et vous savez que vous allez déménager pour le 1er juillet et votre propriétaire ne sait pas comment louer ses appartements cette année-ci, c'est très simple. Si tous les locataires vous pouvez glisser un petit mot à votre propriétaire en lui disant « bonlocataire.com peut te trouver des bons locataires à ce temps-ci de crise ». Je vais vous dire, bien honnêtement, on aura beaucoup plus de logements ici au bureau pour vous offrir à vous aussi en tant que bon locataire d'autres opportunités. Donc, c'est très simple. Parlez de nous à votre propriétaire puisque vous savez que vous allez déménager. Et de cette façon, bien, le mot va se faire passer par tout le monde. Et puis, à ce moment-là, on aura beaucoup plus de bonnes opportunités pour vous en tant que bon locataire. Alors, merci beaucoup. Si vous êtes un bon propriétaire, vous cherchez de bons locataires, bien écoutez, c'est très simple, encore une fois, contactez-nous, 514-622-3314. Faites-nous confiance comme plusieurs propriétaires le font déjà actuellement. Abonne-toi, merci pour liker, pour partager et puis pour aimer cette vidéo. À bientôt, d'autres beaux logements pour vous. Bonne journée.